ils pourront déjà fêter avec leurs 100$ chacun. C'est pas 100$ pour tout le monde, hein? Non, non, c'est ça, 100$ chaque participant. Ok, on est là. Tout le monde est là. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Je m'appelle Rekia Bright et si vous venez de nous joindre, ceci c'est ma chaîne. Et c'est la vôtre également parce qu'ici c'est tout vert, tout le monde est la bienvenue. En souhaitant une très bonne venue à tous les nouveaux abonnés. Et également merci à tous ceux qui sont là depuis, à tous ceux qui nous suivent depuis. C'est votre chaîne, soyez la bienvenue, sentez-vous à l'aise, ne vous gênez pas. Ici on parle de tout, il n'y a pas de tabou et chacun est libre de s'exprimer, bien sûr dans le respect des opinions des autres. Donc voilà. Exprimez-vous également, ça c'est notre chaîne à nous. Vous pouvez également participer de plusieurs manières, soit en commentaire, soit en nous envoyant vos vidéos si vous le souhaitez. Et parlant de vidéos, nous allons commencer par vous expliquer c'est quoi Brunch Beauty. Brunch Beauty, c'est cette émission en ligne de partage pratiquement, parce que partage ça veut dire quoi? Partage, c'est partager son expérience en matière de beauté. Qu'est-ce que ces dents utilisent? Parce que nous allons suivre ainsi sur 6 mois de First Ladies tout au long tout autour du monde qui ont choisi, qui ont accepté de partager avec vous leur expérience de beauté. Et elles vont vous expliquer qu'est-ce qu'elles utilisent, pourquoi est-ce qu'elles ont voulu partager avec vous leur expérience, pourquoi elles sont même dans cette émission. Et voilà, vous allez vivre des aventures incroyables parce que ce sont des personnes très différentes qui ne se connaissent même pas, mais qui ont pourtant un même objectif. Et ce partage, ça vient de quoi? Ça vient du fait que nous, pratiquement en cosmétique africaine, pour la peau noire, pratiquement, nous n'aimons pas souvent partager. Généralement, quand tu demandes à une copine, comment ton teint brille comme ça, qu'est-ce que tu utilises? Elle va te dire, ah, c'est une petite glycérine que une copine m'a ramenée de l'Angleterre, de la Chine. Oh, non, 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 c'est juste... Le lait hydratant de ma fille là que j'utilise. Bon, ça c'est notre habitude. Donc, mais parfois c'est pas ça, on le sait, non? Donc, cette émission va vous permettre de voir en temps réel qu'est-ce que les gens utilisent et qu'est-ce que ça donne comme résultat au courant de toute la période que va durer notre show. Donc, on va pas vous dire, c'est pas moi qui vous dirai. Donc, elles vont vous dire ce qu'elles utilisent, elles vont vous dire quelles sont vos impressions par rapport aux produits et vous verrez également par vous-même les résultats de ces produits sur eux. Donc,
Voilà, on va commencer comme ça déjà par un petit partage, oui, un petit partage d'une vidéo que j'ai reçue parce que effectivement, parfois j'envoie des échantillons, pas parfois, pratiquement tout le temps, sur chaque commande j'envoie des échantillons à des gens qui commandent des produits chez moi et ça me ferait plaisir que vous m'envoyiez également des feedbacks, même ne serait-ce que sur les produits. Les échantillons que je vous ai envoyés, si vous voulez que les autres en sachent plus. Donc, comme vous allez voir sur la vidéo, je vous dis rien, je vous laisse découvrir cette vidéo et on revient tout juste après. Bonsoir. Je vais juste faire une petite vidéo pour donner mon avis sur cette lait Samira. Je viens juste le mettre. Vraiment j'ai aimé cette lait et cette lait est très bon. Lait Samira est très bon et vous voyez je viens juste le mettre. Vraiment c'est bon et puis c'est léger aussi. C'est doux. J'ai aimé. Vraiment. Mais les gens qui ont des progrès. C'est pas pour nous. Bon, on peut utiliser, mais pas sur notre visage. Mais on peut utiliser. Vraiment, j'ai aimé. Vous voyez, mais je mets pas sur mon visage. Je le mets pas. Et voilà. Merci. Voilà. Donc, c'est Samira. Et voilà, la dame, elle a reçu les échantillons de Samira et elle a bien voulu se prêter au jeu en expliquant ce qu'elle pense du produit. Selon elle, ce n'est pas un produit qui est approprié pour des visages gras. C'est possible parce que c'est très hydratant, peut-être pour les peaux très sèches, les peaux hyper sèches, vous pouvez essayer. Donc, et elle trouve que c'est un très bon lait qui est doux, moi également je trouve. Bon, je n'ai pas utilisé sur le long terme, mais pour l'échantillon également que j'ai utilisé, j'ai trouvé que ça avait une très bonne texture. Donc, vous pouvez également essayer. Et voilà, c'est ce genre de feedback que nous avons besoin et nous vous encourageons à le faire. Vous pouvez le faire en vidéo et vous pouvez certainement, ce n'est pas tout le monde qui aime se voir à la caméra, donc vous pouvez faire comme la dame, elle a fait, anonyme, pourquoi pas. L'essentiel c'est qu'on partage, n'est-ce pas? L'essentiel c'est qu'on sache ce que vous pensez du produit. Donc vous pouvez également vous prêter au jeu. Si vous voulez également partager votre expérience, n'est-ce pas, pour les produits que vous utilisez, vous êtes également les bienvenus, faites-le, ce serait très bien. Voilà, on va passer au prochain point. Voilà, maintenant, après cette vidéo que nous avons suivie de Samira, nous allons vous parler de notre première candidate. Notre première candidate, elle vient du Bénin. C'est une first lady qui est très gentille. Je vous assure, c'est pas parce qu'elle est candidate, c'est une first lady. Elle est adorable, je vous assure. C'est quelqu'un avec qui je discute beaucoup, parce que vous savez, en background, on partage beaucoup de choses. La première candidate, je ne vais pas trop parler, je vais vous laisser découvrir la première candidate qui nous vient du Bénin, elle s'appelle Blandine. Donc, découvrez Blandine. Bonjour à vous, madame. Je vous salue. Je vous remercie pour le programme que vous avez mis sur pied. Je vous remercie pour le temps que vous nous accordez. Beaucoup sont ceux qui vendent des produits cosmétiques, mais peu sont ceux qui accordent véritablement leur temps aux femmes à leur expliquer et à répondre à leurs questions, comme vous le faites. Ma particularité par rapport à mon teint, je peux dire que je n'ai pas un grand problème sur la peau, à part mon visage qui est un peu gras. Et ces derniers jours, les acnés que je traîne, mis à ne pas cela, j'ai eu des vésicules sur le ventre et un peu sur les cuisses suite à ma grossesse. Bon, en dehors de ça, vous pouvez remarquer vous-même mon teint actuel. Depuis que j'ai laissé de passer ces produits éclaircissements, les mélanges dont je vous ai parlé, je ne mets plus rien sur ma peau. Actuellement, je me lave à peine, je mets un produit sur ma peau et ça passe. Mon objectif pour ce programme est que
qu'on arrive à partager, comme vous l'avez le but même du programme. Je suis quelqu'un, moi, naturellement, j'aime partager ce qui est bon. J'aime parler beaucoup de ce qui est bon aux gens. Et ma particularité, moi, mon but pour ce programme est de participer. Si réellement j'ai été sélectionnée, c'est de vraiment montrer aux autres comment les produits marchent et corps, tel que ça se passe. Et si j'accepte de participer à ce programme, c'est pour que je puisse avoir un bon produit pour moi. Un bon produit que je pourrais garder définitivement pour ma peau. Un produit qui me rendra belle, dont je n'aurai aucun problème dans la suite, dans les jours, les mois à venir. Donc voilà un peu. Je vous remercie. Et que le Tout-Puissant vous assiste dans ce programme pour que ce programme puisse débuter et aller jusqu'à sa fin. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Je vous remercie. Voilà. Blandine, vous savez maintenant qui est Blandine. Maintenant, vous allez suivre Blandine au courant de cette aventure. Mais avant de continuer, je vais vous rappeler quelques liens utiles qui sont sous la barre de description. Si vous cliquez sur la barre de description, il y a là pratiquement 5 liens. Le premier lien, c'est le lien de vote pour voter pour votre candidate préférée, comme Blandine vient de passer. Votez pour elle, votez massivement pour elle. Également, le deuxième lien, c'est pour passer le commande, si vous voulez passer votre commande, etc., etc. Et le troisième lien, c'est également toujours pour la commande, mais seulement si vous voulez acheter directement sur eBay. Ça marche beaucoup plus pour des personnes qui sont ici aux États-Unis parce que c'est plus facile, je pense. Mais bon, vous pouvez toujours essayer si vous êtes aux États-Unis, mais c'est beaucoup plus pour les gens qui sont ici aux États-Unis et la livraison est gratuite pour eux. Et le quatrième lien, c'est le lien du vote. Oui, le lien du vote, je crois. Non, on a parlé du lien du vote. Ah, le quatrième lien, c'est le lien de le formulaire pour participer. Parce que vous voyez, comme Blandine, vous pouvez également être candidate à la prochaine saison de Brunch Beauty. Donc, vous pouvez également participer en cliquant sur le formulaire qui est en bas de la barre de description. Également, le cinquième lien, c'est le lien de contact où vous pouvez m'avoir sur WhatsApp. Et s'il vous plaît, laissez le message, n'appelez pas. S'il vous plaît. En fait, c'est que c'est très difficile pour moi de gérer les messages avec les appels et tout. Donc, si vous pouvez me laisser le message, je réponds toujours à tous les messages. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Même si je prends souvent un peu de temps, il n'y a pas mort d'homme. Je vais répondre. Donc, laissez-moi juste le message. Je vais répondre, s'il vous plaît. Ok, on va passer à la suite du programme. Le programme va en fait continuer avec une deuxième candidate. Et oui, comme je vous ai expliqué, je ne sais pas si je vous ai expliqué ou bien c'était sur la première vidéo qui n'a pas du tout marché, c'est que je ne pourrais pas vous présenter tous les candidats en une fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que de temps en temps, chaque fois qu'il y aura une émission, je crois que ça va passer tous les samedis, je vais poster soit une, soit deux, ça dépend de la longueur de leur vidéo, ça dépend de ce qu'elles ont à dire, si je vais poster une vidéo ou deux, donc on va juger ça avec le temps. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter déjà deux candidates. Et voilà, la deuxième candidate, elle nous vient de la France, elle s'appelle Fa. Je tiens à rappeler que Fa, c'est une candidate qui était d'abord ma cliente avant d'être candidate. Donc, elle a voulu être candidate quand elle a appris que je lançais l'émission Brunch Beauty. Alors, elle a dit, je veux me prêter au jeu. Mais sinon, c'est une candidate qui avait déjà commencé à prendre ses produits. Et elle va vous expliquer pourquoi elle a voulu participer à Brunch Beauty également. Et voilà, on vous laisse écouter l'histoire de Fa de la France. Coucou les amis, je m'appelle Fa, je suis en France. Donc je voulais vous présenter une petite vidéo concernant mes problèmes de peau et comment j'ai trouvé des solutions par rapport à tous les produits que je suis en train de vous montrer. Moi j'ai eu le problème de peau un peu compliqué, on peut dire, ou soit on peut même dire qu'un peu grave. Donc j'ai des boutons qui sortent sur mon corps un peu partout, qui me laissent des taches et des taches noires qui ne partent pas. Donc j'ai contacté des dermatologues ici en France, même en Afrique. Donc j'ai contacté plusieurs dermatologues qui m'ont fait des traitements, qui m'ont donné des traitements. Mais jusqu'à là, je n'ai pas encore trouvé de bons produits par rapport à mes problématiques. Donc, j'ai eu la chance de trouver Rekia White sur sa page Facebook que j'ai contacté sur WhatsApp.
Puis je lui ai parlé de mes problématiques, les problèmes que j'ai pour ma peau. Et puis elle m'a conseillé d'utiliser tous ces produits que je suis en train de vous montrer. Il y a le 55H+, il y a le Macari Sérum, et puis il y a l'huile Jergens, et puis il y a le savon Glutathio. Donc j'ai commencé à utiliser tous ces produits il y a seulement juste 3 semaines, mais sans vous mentir, vraiment tous ces produits m'ont rendu heureuse parce que j'ai commencé à voir des résultats et de bons résultats parce que mes taches commencent à partir, les taches qui sont noires commencent à devenir un peu marron et puis les taches, les petites taches commencent à disparaître. Donc je peux vous dire que les produits qui m'a proposé Reiki Awad, ce sont des produits très très efficaces parce que moi, 3 semaines, mais avec le résultat que j'ai maintenant, c'est vraiment du top. C'est que du top et c'est que du bonheur. Je peux que remercier Reiki Awad avec tous ces produits qu'elle m'a recommandés et puis que j'ai utilisés et puis que je commence à avoir la solution. Et j'espère que d'ici 1 an, toutes mes taches vont partir et puis voilà, je serai heureuse, contente, j'aurai plus honte de ma peau. Merci, bisous bisous à vous, au revoir. Voilà, après les phares, votez pour elle également. Vous avez déjà le lien sous la barre de description, donc vous avez déjà Blandine et vous avez également Fa. Blandine depuis le Bénin et Fa depuis la France. Donc vous avez écouté leurs histoires, ce sont des dames qui ont accepté de prendre ce courage que beaucoup n'ont pas pour partager leurs problèmes, pour partager leur histoire de beauté, pour partager leur expérience avec vous. Alors on va les encourager et on va les soutenir. Et c'est pour cela que vous devez voter pour votre candidate. Et vous votez pour elle parce que, voilà, déjà, chaque candidate a à la fin de ce programme un lot à gagner. Il s'agit de 100$ pour chaque candidate qui aura participé. Également, 50% de réduction durant toute l'aventure. Mais également, 15% de réduction pour 2 personnes de leur choix. Ça ne s'arrête pas là. Chaque candidat aura également un pack de produits à la fin du programme. Et aussi, le vote, c'est pourquoi? Pourquoi on vous demande de voter? C'est parce qu'à la fin, il y aura une candidate gagnante. Et cette candidate aura un parfum de marque pouvant atteindre une valeur de 130$. Mais ce n'est pas tout, hein? Cette même candidate aura 50% de réduction toute l'année sur tous les produits qu'elle aura achetés. Alors, vous pouvez également soutenir votre candidat. Voilà, donc j'aimerais vous rappeler, si vous venez de rejoindre nous et que c'est la première fois que vous trouvez cette chaîne, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager avec vos amis et d'en parler autour de vous également. Ici, on se partage tout, on se dit tout, il n'y a pas de tabou, on essaie de trouver des solutions pour tout le monde. Et voilà, je vais également vous demander de soutenir vos candidats de la manière qui vous arrange. Vous pouvez leur faire des commentaires, vous pouvez leur faire des vidéos même de soutien, pourquoi pas. Faites des mini-vidéos et vous envoyez. Le numéro WhatsApp, il est là. Donc, vous faites des mini-vidéos et puis, voilà, pour soutenir vos candidats. Si vous voulez même leur poser des questions, vous pouvez également leur poser des questions. Elles vous feront des vidéos où elles répondront à vos questions. Enfin, m'excuser pour la vidéo live que j'ai dû retirer. Pour la simple raison que les sons des vidéos que je mettais en background ne passaient pas. Et je m'en suis rendu compte une fois que la vidéo était finie, donc je ne savais pas. Vous aussi, hein? Je vais vous fouetter. Comment le son ne sort pas, personne ne me dit rien. Et pourtant, il y avait des gens en ligne. Maintenant, je suis obligée de reprendre la vidéo parce que, voilà, c'était inaudible. On ne pouvait pas entendre les gens qui parlaient en background et ce n'est pas bon. Et désolé, je ne pourrai plus faire de vidéo live pour le moment jusqu'à ce que je puisse trouver la solution à ce problème. En réalité, je ne suis pas trop calée dans les domaines techniques pour montage de vidéos et tout ça, et surtout pour les logiciels de montage. C'est un problème qui semble être général, enfin qui semble être pour beaucoup de personnes qui utilisaient la même application que moi, parce que j'ai essayé de faire des recherches sur le net vu que je ne suis pas trop calée dans ce domaine. Donc j'ai essayé de voir qu'est-ce qui n'allait pas pour pouvoir arranger et refaire la vidéo.
Malheureusement, apparemment, il n'y a pas encore de solution, sauf si c'est quelque part et que je ne sais pas. Donc, pour quelqu'un qui a la solution, pour moi, s'il vous plaît, j'utilise OBS pour faire mon live. Donc, si vous pouvez m'aider à fixer le problème de son, de background, qui n'arrive pas à sortir, j'ai tout essayé, ça ne marche pas, j'ai même désinstallé, réinstallé, rien du tout. Alors, pour faire simple, j'ai préféré refaire la vidéo, mais cette fois-ci, en diffuser. Donc, je vais faire la vidéo et faire le montage comme d'habitude, enfin, comme on faisait avant. Donc, on revient à la bonne vieille méthode. Une pensée pour la jeune dame qui est décédée il y a quelques jours, et qui choque tout le monde, qui m'a aussi particulièrement choquée parce que... Donc, on ne peut pas garder silence face à ce genre de situation. Elle s'appelait Naomi Musenga. Et je souhaite d'abord des condoléances à sa famille et à ses proches. Moi, je suis écœurée, pas parce qu'elle est décédée, parce que, comme vous savez, tout le monde va mourir. Et même si tous les secours venaient à temps et tout, certainement, si c'était son heure, on n'allait rien pouvoir faire. Mais ce n'est pas ça qui m'a choquée. Ce qui m'a choquée, c'est de savoir que quelqu'un est en détresse et appelle au secours. Et au lieu qu'on lui vienne en aide, qu'on se moque d'elle et que, voilà, on la laisse mourir tout simplement, ça, c'est très choquant. Quand vous voyez ce genre de job, c'est des jobs où les gens doivent être assez responsables parce que c'est des vies qui sauvent parfois comme ça. Et quand les gens sont tellement irresponsables, voire méchants et inhumains pratiquement, et qu'ils occupent ce genre de poste et qu'ils font ce genre de boulot, moi j'ai envie de me demander qu'est-ce qu'on peut espérer. On peut voir que ce genre de situation, parce que c'est pas normal du tout. C'est pas normal. Naomi repose en paix. C'est le chemin de tout le monde, bien sûr. Et vraiment, je suis désolée pour ce qui est arrivé à toi, à ta famille, et que voilà, que ça ne se reproduise plus jamais. Donc, vraiment, que les gens qui occupent ce genre de poste, soyez un peu conscients, s'il vous plaît. Sachez que les gens qui vous appellent ne sont pas fous. Ils n'ont pas perdu la tête pour prendre leur téléphone et vous dire qu'ils sont en détresse. Faites votre boulot ou alors déposez les armes et laissez les autres le faire. Ok? Donc, c'était ce petit point que je voulais vraiment souligner parce que cette histoire, ça m'a beaucoup écœurée, ça m'a énormément effondrée. Voilà, on se dit à la prochaine et je vous laisse avec l'annonce du prochain épisode. Voilà, donc on se dit à la prochaine. Merci beaucoup d'avoir été là. Je suis encore désolée pour cette vidéo qui n'a pas pu marcher. On se dit à la prochaine. J'espère que vous allez m'encourager à aller au bout de cette émission parce que je suis très paresseuse. Encouragez-moi s'il vous plaît. Et aussi, voilà, je tenais à faire un grand coucou à Madame White et je la remercie d'avoir pensé à mettre sur pied cette émission. Et pour finir, je tiens aussi à faire également un gros bisou à toutes les autres candidats qui ont bien voulu participer à cette émission parce que c'est pas facile, hein? Ça sera pas facile, je sais. Et voilà mes copines, allons-y, ne lâchons pas, allons-y jusqu'au bout.